Salut les Wikinauts, cette semaine on a décidé de vous parler innovation, culture d'entreprise et leadership. Nouveaux outils pour les entreprises, expérience client, service personnalisé. Dites donc, ça n'arrête pas ce soir. Le système actuel pousse nos entreprises à se réinventer constamment. Alors il est nécessaire du coup de conduire ce changement, de l'expliquer à ses collaborateurs. Cela passe par une transmission de cette culture d'entreprise, une éthique qui pousse et entraîne l'innovation et qui soutient cette innovation. Cela veut dire, en gros, allier votre stratégie avec le bien-être et la culture d'entreprise de vos collaborateurs. Moi, j'ai rien compris de votre histoire. Bah, il a compris. Mais si, c'est pas compliqué. En clair, il s'agit d'allier les enjeux de votre entreprise avec le bien-être et les attentes de vos collaborateurs. Une sorte de test and learn, un droit à l'erreur qui serait ni une contrainte ni une option. Cela veut dire les responsabiliser et pour autant, cela ne veut pas dire qu'il n'y aurait pas de conséquences pour chacun de leurs actes. On obtient ainsi... Une production jeune mais dynamique, monsieur Leblanc. La société Life explique que le capital humain constitue le réacteur de votre entreprise, ceux qui vont exécuter et mettre en place la stratégie que vous avez déterminée au préalable afin d'atteindre vos objectifs et ainsi, à terme, générer de la croissance. C'est pourquoi, mes amis, si vous avez des revendications de salaire à formuler, vous m'adressez une note écrite et je la fous au panier et on n'en parle plus. Nous sommes bien d'accord ? Tout le contraire de ce qu'il ne faut pas faire en management, évidemment. Mais l'entreprise constitue un lieu de vie. Il est donc important de le rendre agréable pour vos salariés afin que celui-ci puisse développer et personnaliser son environnement, son identité, exister en tant que tel. J'aimerais bien qu'on commence à me considérer en tant que tel. Comment ? Bref. Prendre en compte le bien-être de vos collaborateurs, développer une culture forte et orienter la stratégie de votre entreprise vers l'innovation, c'est la clé d'une entreprise à succès. Allez, ciao !